Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai trouvé à Primark. J'ai fait énormément de trouvailles donc je voulais absolument faire cette vidéo. Vous m'excuserez pour ma tête, pour la lumière, pour le bruit en fond. Je rentre du travail, il est 6h et quelques, il fait très très chaud. Et évidemment j'ai récupéré mes enfants avant de rentrer chez moi. Donc voilà, s'il y a des petits bruits à côté, je m'en excuse, mais je ne peux pas vraiment faire autrement. Donc voilà, j'ai trouvé énormément de choses, particulièrement pour les enfants, mais aussi pour moi et pour le chéri. Je vais essayer de vous les faire dans l'ordre, mais c'est possible que ce soit un peu mélangé. Petite précision, je suis allée au magasin de Marseille, Primark de Marseille. Je suis aussi allée à celui de Toulon, si je ne vous dis pas de bêtises. J'ai préféré celui de Toulon, je l'ai trouvé beaucoup plus rangé, beaucoup plus de, choix. Je pense qu'il y avait des tests similaires, mais du coup on voyait plus les choses. Donc voilà, mais les deux, mais j'ai trouvé des choses dans les deux. Je vous préciserai pas à chaque fois d'où ça vient parce qu'il y avait quand même similairement les mêmes habits. Mais il y a des choses que j'ai pas trouvées au même endroit. Voilà. Bref, c'est pas très français, je sais pas si vous avez compris. Je m'attarde pas plus parce que la vidéo va être très longue. Sinon, j'ai trois gros sacs comme ça. Donc il y a de quoi faire. D'abord, une chose que Aaron a adoré, vous laisse deviner pourquoi, je savais que voilà, il allait être comme un fou, et effectivement c'est ce qu'il préfère dans tout ce qu'on lui a acheté. C'est une casquette Spider-Man, donc il n'y a plus l'étiquette parce qu'évidemment il l'a cassée, enfin il l'a enlevé l'étiquette, il l'a déjà portée plusieurs fois. Ça fait que 3 jours qu'on est revenu de week-end où on a acheté tout ça, mais voilà. C'est pour ça que je lui fallait vraiment que je fasse cette vidéo pour pouvoir tout ranger aussi. Cette casquette coûtait 5€ il me semble, ou 4,90€, quelque chose comme ça, mais je crois que c'est 5€. Vous avez similairement le même style de choses à H&M à 10€. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse. Vous en avez des comme ça, vous aviez des Buzz Éclair, des Batman, de plein de sortes différentes. Ensuite j'ai complètement craqué sur la collection de Toy Story parce que Aaron est fan, mais fan de Toy Story, particulièrement de Buzz. Et j'ai trouvé la collection très très jolie tout simplement, donc j'ai acheté pas mal de pièces de cette collection là. La première et pas des moindres, c'est le gilet Buzz Éclair. Donc il est un peu épais, donc idéal pour la mi-saison. Là je vous avoue qu'il fait chaud pour le mettre, mais bon voilà, Aaron l'a déjà porté quand même parce que c'est Buzz. Et dans le dos vous avez des ailes en relief quoi, descratchées ou à scratcher. Pour l'instant elles tiennent plutôt bien, on les a pas descratchées une seule fois, donc voilà, on va les laisser comme ça je pense. Il va falloir que je le planque parce que sinon il va me vouloir le mettre alors qu'il fait une chaleur d'enfer. Il me semble, parce que l'étiquette n'est plus là, il me semble que le gilet était à 18€, quelque chose comme ça, 17 ou 18€, j'ai trouvé ça pas donné. Mais quand je suis passée à la caisse, il est passé à 14€. Donc soit c'est moi qui avais mal lu l'étiquette, soit il est en promo, ce qui est possible. Toujours dans la collection Toy Story, j'ai pris ce petit t-shirt pour Aaron. Alors je précise pas les tailles et tout parce que je vois pas trop l'intérêt de préciser les tailles. Mais bon, en général Aaron s'habille en 3-4 ans, 4-5 ans, donc voilà le gilet. Je l'ai pris plus grand parce que c'était un gilet et j'ai bien fait, c'est du 4-5 ans. Et les t-shirts, je lui ai pris du 3-4 ans et ça lui va nickel. Donc bref, voilà, je ne vous préciserai pas de détail, je voulais juste dire là pour vous donner une idée, mais voilà. Un petit t-shirt gris comme ça avec tous les personnages de Buzz, il est canon. Et il coûtait 6€, je crois 4 ou 6€. Pareil, j'ai pas l'étiquette parce que monsieur l'a déjà porté. Voilà. Ensuite, on a... j'avais besoin de pyjamas d'été pour Aaron. Donc ils font pas mal de lots comme ça. Donc, je vous en montre un parce qu'on en a pris un que je vais vous montrer là qu'il a déjà porté. Ils font beaucoup des kits comme ça. Alors c'est pas donné quand c'est des licences. C'était 14€ les deux pyjamas quand même. Mais bon, ils étaient vraiment très jolis. Là on a pris Tortue Ninja parce que voilà, le chéri adore les Tortue Ninja et le bébé aussi. Et le deuxième du coup qui était dans le lot est comme ça. Donc c'est voilà des pyjamas d'été. Vous les avez en manche, enfin pas les Tortue Ninja mais vous avez d'autres... d'autres licences avec des manches longues aussi qui sont très jolies. Il y avait du Star Wars, il y avait du Mario, il y avait du Toy Story qui était magnifique, mais il n'y avait plus la taille d'Aaron, j'étais blasée. Je lui ai trouvé un petit débardeur comme ça militaire, je trouve ça mignon. Il était pas cher du tout, il était à 2,50€. Donc voilà, ça lui fait un petit haut pour cet été. Ensuite pour Aaron, j'ai craqué sur des shorts comme ça qui font, je pense que c'est leur basique hein. Je l'ai pris de couleur kaki, ils sont à 3,50€. Je l'ai pris en noir et je l'ai pris en beige. Par contre, il taillait super grand. Ça, faites attention parce que moi, j'ai pris du 2-3 ans. Les autres me paraissaient immenses au niveau de la taille. Donc après, ça, il les a pas encore portés. Donc autant je me suis trompée sur la taille, mais je pense pas. Toujours pour Aaron. Je lui ai trouvé encore dans la collection Toy Story ce haut rouge qui est juste trop trop beau. Et celui-ci était à 4€. Donc je pense que l'autre aussi devait être à 4€. Je suppose. Et je trouve pas ça exagéré. Franchement, c'est des très jolis t-shirts. On a craqué moi et le papa sur ce maillot de bain Toy Story vert fluo, il est magnifique. Et pareil, je trouve qu'il taille grand, hein. C'est du 3-4 ans. Donc c'est la taille d'Aaron, mais franchement il est grand quand même. Donc bah écoutez, c'est pas grave, il le profitera plus longtemps. J'ai
j'ai retrouvé l'étiquette de la casquette, c'était 4,50€. C'est tout pour un run, mais il y a peut-être d'autres choses, hein. Donc on verra dans les autres sacs. Là, je passe à moi parce que j'ai trouvé des petits trucs. J'ai pris ces petites sandales comme ça en camel et les mêmes en noir. Clairement, c'était pour aller à la plage le jour où on allait à Primark. Elles étaient à 4€ et ben, elles font très très bien le job, donc je suis très contente. Ensuite, pour moi, je me suis pris un basib, en fait, un jegging. Voilà, bleu, voilà, hein. Bleu assez foncé. Je sais pas vraiment, si, je pense que ça taille bien, hein. Si moi j'ai pris en 44, en général c'est ma taille. Ils étaient pas très chers, ils étaient à 8€ et franchement ils tombent super bien. Après voilà, c'est long et c'est collant, donc quand il fait très très chaud, je vais peut-être pas le mettre, mais pour le soir ou pour la mi-saison, ça sera parfait. Voilà pour moi, ne vous inquiétez pas, c'est pas tout, mais on a fini le premier sac. Je viens de penser que je me suis pris un t-shirt blanc avec une écriture, je crois que je l'ai payé 4€, un truc vraiment basique et bateau, sauf que je l'ai porté, et du coup il est au sale. Voilà. Et il y a autre chose aussi, donc je vous le prends tant que j'y pense, parce que je vais oublier. Je viens de récupérer du coup sur mon étendoir à linge, parce que je l'ai porté, je l'ai déjà lavé, je l'ai mis le week-end où je l'ai acheté. C'est une petite robe en fait, toute simple, noire, mais avec des genres de petits traits comme ça. Ouais, elle fait un peu travailler, franchement, voilà, elle tombe bien, elle fait le job, elle est très jolie. Portée avec une petite veste en jean, ça passe très très bien. Je l'ai payé 9€, je crois. C'était 8 ou 9€ le prix, ouais, évidemment, je n'ai plus l'étiquette, mais c'était à peu près ça. Voilà, je pense que c'est ma pièce préférée. Après, moi, j'ai trouvé plutôt que des basiques là-bas, je vous dis, j'ai pris un shirt blanc, une robe, 2-3 bricoles, mais pas, pas des trucs de fou. Ensuite, le chalet, par contre, on a trouvé pas mal de petites choses sympas. Qu'on va passer à lui, puis après on passera à Kayla, hein, désolé. Hein. Il a trouvé ce haut militaire, enfin avec les manches militaires noires, avec une petite écriture dessus. Il était très joli, je sais plus le prix par contre, ce qu'il a porté aussi. Je pense que ça devait être aux alentours des... Je pense que ça devait être aux alentours des 6€. Ensuite il a pris des t-shirts basiques comme ça, c'est ceux en col en V, c'est les t-shirts basiques de chez Primark. Ils sont à 2,50€, donc il l'a pris en blanc. Il l'a pris... en noir, et ces t-shirts tiennent très très bien. Le chéri en avait déjà acheté il y a plusieurs années, il les a encore et ils n'ont pas bougé, donc il l'a pris en gris aussi. Et voilà, ensuite c'est à moi, donc c'est un peu mélangé moi et lui, c'est pas grave. J'ai pris des petites tons comme ça, toutes simples pour aller à la plage parce que j'en avais pas, elles étaient à 2€, voilà, ça c'est fait. Ah si, je me suis trouvé un petit haut pour moi, un croc top que j'ai trouvé très mignon, voilà, ça se fait pas mal en ce moment, c'est un haut un peu gris chiné avec un dessin animé dessus, donc là c'est Tigrou, donc voilà, je le vois très bien avec un jean taillotte ou une petite jupe noire taillotte, il est très joli, il était à 10€, encore un t-shirt basique en bleu cette fois-ci. Ah, il a trouvé un pull aussi. Alors il était soldé, ça c'est pour mon homme, donc c'est un pull kaki militaire, on est à fond dans le kaki en ce moment. Il est vraiment très bien travaillé au niveau des manches et tout. Voilà. Il était à la base à 16€ et du coup il était soldé à 9, donc un bon plan même si c'est pas du tout la saison. Ensuite on a pris des chaussettes pour le chéri courtes noires, voilà, c'est des classiques de Primark, 2,50€, yes, c'est super. C'est parti. Toujours, on a trouvé des t-shirts, alors ils sont noirs. Pour mon âme, on a trouvé des petits t-shirts noirs comme ça, avec les manches aussi un peu travaillées, ils sont très sympas. Ils sont à 8€ et ils sont assez... Ils sont assez longs, il y en avait en beige, en gris chiné aussi. Je crois qu'il l'a pris comment, apparemment. Voilà. Ensuite, j'ai fait un tout petit achat, enfin une fois beaucoup. C'est des petites bougies Madagascar, enfin vanille et patchouli, la numéro 17, c'était des bougies qui coûtaient 1€, c'est parce que je voulais faire plein de petits cadeaux aux nounous qui s'occupent d'Aaron, et comme ils sont quand même nombreux, ils sont une dizaine de personnes à s'occuper de lui à la crèche, voilà, je voulais faire une petite attention pour dire merci, je me suis dit que c'était vraiment pas mal, donc j'en ai pris 12, parce que je voulais aussi en offrir une en plus à la maîtresse et au maître de Kayla. Voilà, donc petit cadeau, si jamais vous cherchez une idée, ça peut toujours dépanner. On passe au dernier sac, donc là il y a les achats de Kayla, je le vois déjà. J'ai craqué sur ce pyjama d'été parce que c'est pareil, il lui en fallait. Il est rose, mais il y a des petits strass. Le short, il est canon aussi. Il était pas donné, celui-là, il était à 9€. Voilà, quand c'est des licences, c'est pas donné, mais bon. Ils sont vraiment très très beaux, donc voilà, je sais qu'elle était ravie. J'ai refait le stock en culotte parce que ça, pour le coup, c'est pas cher. À Primark, c'est 5€ les 7. C'est au motif des licornes dans les couleurs pastel, donc ça sera parfait. En pyjama, donc là, j'en ai pris... sans licence, mais très très jolie. Là, c'est un blanc. Alors, je vais vous le sortir, vous puissiez le voir. Parce que ça,
C'est un peu dommage quand même. Hop, voilà. Alors c'est du manche long mais fin. Donc vous avez, voilà, un petit signe dessus avec des strass. Et le pantalon est rose avec plein de petits signes dessus. Donc voilà, je l'ai trouvé vraiment très très beau. Il était à 5,50€, voilà, pour un joli pyjama. Je trouve pas ça exagéré. Et pareil, là, un autre, mais manche courte, que j'ai payé même un peu moins cher. Ah non, pareil, 6€. Hop. Voilà, regardez comme il est beau. J'adore. Voilà, il est canon, il est trop beau. J'aurais trop voulu le même pour moi. Et du coup, vous avez le pantalon assorti. Voilà. Hop, je vais tout ranger après. Et un autre pyjama short cette fois-ci, à manches courtes. C'est une unicorne of the sea. Donc c'est une baleine licorne, je crois. Ou un dauphin licorne, je sais pas trop. Mais en tout cas, les couleurs sont très jolies. Je vais vous montrer le petit haut, pareil. Et les pyjamas, c'est tous du 100% coton. Donc c'est vraiment, vraiment idéal. Voilà. Et ils avaient plein de modèles de pyjamas comme ça. Franchement, c'était canon. Voilà. Ensuite, en habits, j'ai trouvé des petites choses. Mais des choses assez basiques, hein, vous allez voir. Donc un petit t-shirt comme ça que j'ai trouvé mignon avec des petites roses. Il était à 2... Je vous ai pas dit le prix du pyjama. Celui-ci c'est 5€. Ça c'est 2,50€. Voilà, c'était les petits hauts à 2,50€. Ils avaient beaucoup beaucoup de choix. J'ai craqué pour ma puce pour une robe comme ça. Donc vous savez, les robes à volant en jean. Parce que moi j'ai tout simplement la même en grand et je voulais nous faire un look Murphy avec. Et puis je la trouve très jolie. Elle était pas très très chère. J'ai trouvé... Elle était à 12€. Donc voilà. 12€, c'est le prix pour une robe, mais ça va. Ensuite, je lui ai pris un classique, un legging noir. C'était 2,80€. Voilà, c'est un truc qu'elle use assez vite et dont elle a tout besoin. Un autre petit haut qui était dans la gamme aussi, des t-shirts à 2,50€. Voilà, qui est ma foi très, très sympa aussi. Et ensuite, le chéri, il a trouvé des petits shorts. Alors, ils n'étaient pas donnés, mais franchement, ils sont canons. Du kaki, c'est en matière vraiment très légère là, ils sont trop trop beaux avec de la dentelle, ils étaient à 7€, donc on lui a pris en kaki et en noir, voilà, ça va avec tout, c'est un truc dans lequel elle sera bien, elle aura pas chaud et voilà. Une autre petite robe aussi qui est vraiment magnifique je trouve, elle était moins chère parce que l'autre elle était à 11€, c'est une robe kaki encore, bravo, ça va être le haul du kaki hein. On a tous pris pour toute la famille. Mais bon, j'aime bien cette couleur en même temps. Donc voilà. Donc c'est une robe avec des petites manches à volant comme ça. Et franchement, elle a l'air hyper bien coupée, hyper bien taillée. Après, on verra porter. Hein. J'essaierai de vous faire une petite photo et de la mettre sur Instagram. Si vous ne me suivez pas, pensez à vous abonner sur Instagram aussi. Pour Kayla, dans la collection de Toy Story, je lui ai pris aussi un petit haut. Parce qu'elle aime bien Toy Story aussi. Donc je trouvais sympa qu'elle ait aussi un haut assorti. Donc c'est Jessie. Et le haut était à... 8€, hein, c'est un peu plus cher, mais bon, en même temps, il y a des, voilà, il y a des petits strass, il y a des petits effets, il y a des petits froufrous sur les manches. Il est trop beau. Voilà. Ensuite, je lui ai pris un petit haut à Kayla toujours. Je l'ai payé 6€. C'est en noir comme ça, voilà. Un peu à la coupe, un peu une coupe de femme, quoi. Avec limite, moi, si j'avais même, je le mettrais. Avec des petits boutons dessus, voilà, pareil, assez léger. Idéal pour l'été. Ouais, j'ai refait la garde-robe de ma fille. Bah oui, mais bon, en même temps, Kayla, ça faisait super longtemps que j'avais pas changé d'habits. Enfin, je rachète tout le temps des habits à mes enfants, hein, parce que voilà, j'aime bien ça. Mais là, je voulais vraiment racheter pas mal de nouveautés. Les habits commencent à s'user. Hein, à leur âge, je les porte quand même assez longtemps. Moi, j'aime bien leur faire des petits looks, donc c'est un plaisir. Et puis là, pour le coup, c'était vraiment moins cher qu'en magasin quand même. Donc pour les petits, on a terminé. Il reste un article que le chéri a pris, donc c'est un polo classique noir. Il a payé 4€. Et moi, je me suis fait plaisir avec un petit pyjama. Moi, ouais, c'est ça. Je crois que c'est tout. Moi, j'ai pris autre chose et que j'ai oublié de le... Ah si, je me suis pris un short et le chéri aussi. C'est les shorts basiques, comme j'ai pris pour Aaron. Les shorts au élastique pour faire le sport et tout. J'ai pris ça pour moi et le chéri a préparé en homme. Et c'est idéal. Et je crois que moi, j'ai payé 3€. J'en aurais pris plusieurs, mais il n'y avait plus ma taille. Il n'y avait que le XL, il taillait comme ça. Et donc, j'ai pris du L. En sachant que normalement, je fais plutôt du XL. Parce que voilà. Et le L, il y en avait qu'un. Moi j'en ai pris qu'un, mais ils sont vraiment top. Que ce soit pour pyjama, pour traîner, pour aller à la mer, même pour habiller. Moi je l'ai mis ce week-end, donc franchement, nickel. Et le chéri aussi l'a pris, je crois que pour les mecs c'était peut-être un peu plus cher, c'était peut-être 5€ le short, je sais pas. Et le chéri a aussi pris un gilet basique, là, les suites avec les capuches et les fils, là, le truc voilà, bateau, qui coûtait vraiment moins de 10€, je pense, de 28 ou 9€. Pareil, il l'a mis, il est au sale.
Voilà. Et je crois que c'est tout. Effectivement, bon, il y a quelque chose qu'on a pu porter, mais franchement, voilà, on a pris vraiment pour nous, on a pris plutôt des basiques, et pour les enfants, par contre, on a trouvé beaucoup, beaucoup de choses différentes. Et en fait, je me suis fait un petit plaisir, je me suis pris un pyjama, parce que voilà, les pyjamas Primark, c'est la vie. Je me suis pris un petit pyjama d'Aladin que j'ai trouvé trop mignon, donc c'est un t-shirt et un short. Voilà, pareil, faites attention au niveau des tailles parce que ça taille méga grand. Moi, j'ai pris du L, j'ai pris quand même du L. Ouais, j'ai pris du L, mais voilà, parce que je voulais être vraiment à l'aise. Parce que clairement, ça taille... voilà. Faites attention au niveau des tailles, parce que ça dépend vraiment des habits, ça taille pas du tout pareil. Les pyjamas taillent très grand, les shorts aussi un peu élastiques, tout ça, ça taille très grand. Et après, il y a des habits, genre le t-shirt, je crois que j'ai pris du M quand même. Je sais plus. Je trouvais que ça taillait grand aussi, mais c'est pas tout. La robe, j'ai pris ma taille, je crois que c'est du 44, donc c'est ma taille. Le legging, c'est ma taille. Donc voilà, le mieux c'est d'essayer quand vous pouvez en tout cas. Et voilà, donc le petit pyjama coûtait 9 €. Ça va, c'était pas... ça va. C'est raisonnable. Et du coup, voilà, maintenant je vais pouvoir le laver et le mettre. Donc je suis contente. Pour celles qui se demanderaient au niveau du budget... ah, j'ai oublié. J'ai pris des chaussettes blanches pour Kayla, basique aussi. Les 7 paires, 2,50 €. On adore. Bref, au total, on en a eu pour un peu plus de 300 € quand même. Mais bon, voilà, il y a quand même pas mal de choses. Vous pouvez vous en sortir avec moi, mais clairement, on a voulu se faire plaisir. Le chéri a aussi acheté un sac, mais je sais pas où il a mis. Il est où ce sac? Attendez, je vais regarder sur vous. Il était là. Il est trop beau. C'est un sac à dos, voilà, un peu en simili-cuir. Voilà, on lui fait de la moto, donc c'était pour plutôt pour ça. Mais éventuellement, je pourrais même le prendre pour aller bosser quand j'ai pas mal d'affaires à mettre. D'affaires à mettre, j'ai dit. Ouais. Je suis fatiguée. Hein. On l'a payé 13 €. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, on en a eu pour un petit peu plus de 300 € en plus. Mais voilà. Je suis très contente de ce qu'on a acheté. On a fait de bonnes affaires. On a trouvé des trucs qui nous plaisent et surtout qui font très très plaisir aux enfants aussi. C'est un peu la base. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Vous me direz ce que vous avez préféré. Moi, pour Aaron, c'est le gilet de Buzz l'éclair et la casquette de Spider-Man parce que c'est ce qu'il a préféré aussi. Pour Kayla, mes trucs préférés, c'est les pyjamas et la petite robe kaki que je trouve juste canon. Moi, mon truc préféré, c'est ma petite robe noire et mon pyjama d'Aladin parce que voilà. Et pour le chéri, moi j'aime beaucoup son t-shirt militaire avec l'écriture en noir, il l'a mis. Il a aussi pris une casquette kaki, je crois qu'elle coûtait 3 ou 4 €, vraiment basique, qu'il a pris aussi à Primark. Voilà. Je suis désolée, il y a des articles du coup que je vous ai dit mais que je vous ai pas présenté parce que ben, ça s'est disséminé. Déjà, j'ai réussi à laisser tout ça dans les sacs pendant 4 jours. Donc rien que pour ça, je mérite des pouces bleus. Et des commentaires, voilà. Voilà, bientôt peut-être vous aurez encore un haul solde. On verra si je trouve des choses ou pas. C'est pas sûr. Voilà, j'ai pas besoin de quoi que ce soit. J'ai fait pas mal de plats là, donc mais c'est possible qu'il y en ait quand même. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, pensez à vous abonner si c'est pas déjà le cas. Et voilà, laissez-moi un commentaire si vous avez envie, si la vidéo vous a plu. Moi je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.